to tell him it's my season. Lay back, geeky, smoking on dope that diesel. Young nigga gone off the deep end, running to tell him it's my season. Salut à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, vlog. Vous le savez, quand on vlog, il y a un but. Aujourd'hui, j'ai une séance très très importante à faire. Sur la dernière vidéo, je vous ai montré le début de ma préparation. Je vous ai présenté les enjeux de la préparation. Là, les semaines avancent. Je crois que ça fait à peu près 4 semaines que j'ai sorti ce vlog. Et là, j'arrive à la fin de mon premier cycle d'entraînement. Forcément, les perfs ont monté. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est voir à quel point je suis fort. On va attaquer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas de 4x4, il n'y a pas de 3x8. On va voir si l'entraînement a porté ses fruits. On va voir si j'ai retrouvé mon prime. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Avant tout, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que si vous êtes là, je pense que ce qui va suivre va vous plaire. Pour vous mettre un peu dans le thème, aujourd'hui, je vais faire une séance SBD. Je vais exécuter les 3 mouvements de force, le squat, le développé couché et le deadlift. Et mon coach m'a envoyé un protocole à suivre. Donc, je vais devoir monter à une échelle de difficulté de 7 sur 10, 8 sur 10, puis 9 sur 10. Je me suis pesé ce matin, je suis à 94 kg. Et à partir de là, je vais voir où se situe actuellement ma force pour pouvoir rentrer dans la dernière phase de préparatoire au championnat de France. Je vous avoue que dans l'idée, cette séance, elle me met un peu la pression, car c'est à partir de celle-ci que je verrai si mon bloc a bien fonctionné, que je verrai si j'ai le niveau que je pensais avoir à ce niveau-là de la préparation. Donc tout de suite, je vais poser les objectifs avant la séance, comme ça on ne dit pas que je triche. J'aimerais faire 305 kg au squat, 200 kg au développé couché et 320 kg au soulevé de terre. On va voir ce que ça va donner, peut-être plus, peut-être moins, mais j'espère être un minimum sur ces lifts pour me dire que j'ai un bon niveau et que je suis satisfait du travail que j'ai fait sur ces 4 dernières semaines. Sur ce point, je dis la même chose à chaque vlog, mais les bouchons à Paris, c'est pas possible. Là, je vais mettre 1h20 pour arriver à l'entraînement. Si j'étais en province, ça m'aurait permis de traverser la région, je crois. Ce que je fais, c'est que je time à la perfection l'heure à laquelle je vais manger. Je time à la perfection l'heure à laquelle je travaille. Et au final, l'heure à laquelle je décolle, c'est l'heure en soi où j'aurai fini de travailler, où je serai en train de digérer, etc. En fait, je prends en compte plein de facteurs et je suis obligé parce que sinon, je serai en galère tous les jours avec ce temps de trajet et ça ajouterait trop d'inconnus à mon trajet. Mettre en condition de compétition, donc même échauffement, même montée de gamme qu'à la compète, parce que ce sera potentiellement la dernière fois avant l'échéance où je pourrai avoir une séance comme ça avec peu de pression entre guillemets, où je peux me lâcher. Donc je vais vraiment me mettre à 100% dans toutes les conditions. Je filme un maximum pour vous permettre de suivre ça, mais je pourrais pas parler énormément entre les reps et entre les différentes séries forcément pour éviter de me déconcentrer, mais vous inquiétez pas, après on va débriefer. Je vous prévois plusieurs choses pour la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. N'entends rien, le micro il est sous ma gorge quoi. Ah mais si je crois que ça marche pas. Non ça marche pas. Tu marches combien de temps comme ça? T'as dit quoi? Tu marches combien de temps? Je marche 8 minutes. Ah, c'est précis, hein. Ah il faut. Tu perds.
C'est la première fois depuis des années, mais je sais même plus à combien, enfin à quand remonte la dernière fois, que je rate un single au squat, que je rate une rep au squat. Donc là, clairement, je suis pas monté au-dessus de 285 depuis mes derniers championnats de France, donc c'était en septembre dernier. Là, on est presque mi-mars 2024. Et du coup, dès que je mettais des barres lourdes, je le ressentais directement. Déjà, à partir de 280, ça commence à devenir compliqué. Et du coup, là, quand j'ai mis 305, j'ai senti que c'était un peu lourd. Mais j'ai senti que j'avais grave de la force pour envoyer. Et certes, je ne suis pas entraîné à pousser lourd, en gros. Mais je me suis dit, je vais quand même monter un peu. Je vais monter à 315 kg. Il y a la place pour 315, 317. Au final, j'ai mis 315. J'arrivais même pas à tendre les jambes, en fait, tellement c'était lourd. Et tellement j'ai plus l'habitude de faire du lourd. Et du coup, quand je mets lourd, en fait, mes muscles, ils sont pas prêts à forcer. Et puis, j'étais un peu endormi, entre guillemets. Genre, j'avais pas le même niveau de hype que d'habitude. Donc, ça explique le fait que... 0 sur 10, là, franchement, je suis dégoûté d'avoir raté cette rep. Généralement, quand je mets une barre au squat, enfin, 100% du temps, quand je mets une barre au squat, c'est que je suis sûr de la passer. Celle-là, j'étais sûr que je l'avais. Mais bon, là, ça m'a donné la dalle, ça m'a énervé. Je vais m'arracher à l'entraînement. Je vais m'arracher. On va aller chercher 320, coûte que coûte. Donc là, on va faire le bench, le deadlift. Je vais réfléchir au squat quand je vais rentrer chez moi. Et je vais m'arracher à l'entraînement. Je vais travailler plus. Normalement, 315, c'est pas une barre qui se rate. Bon, 270, ensuite 300, j'ai chargé 300 là, mais je suis cuit, je vous mens pas, la 315, elle a pris toute mon énergie, c'est un truc de ouf. On croit en toi, Rico, tu vas le faire, t'inquiète, tu vas tous les éteindre. Ça fait une bonne vidéo motivation, ça ou pas? Cette séance de fou, elle a enfin terminé. J'ai fini du coup sur 305 au squat, 202 au coucher et 322 au deadlift. Donc sur le deadlift, je trouve que j'avais pas mal de marge. Donc j'étais bien sur le RPE 9. Au bench, j'ai fait n'importe quoi techniquement, mais j'étais sur RPE 9.
Au squat, bah, je me trouvais sur un peu 8,5, on va dire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis plus. Et malheureusement, en fait, j'aurais dû faire 3,10, 3,12 pour un meilleur call. Et au final, je finis sur un total à 8,27, RPE 9, sans picking et sans avoir mis lourd depuis longtemps. Donc, je pense qu'avec le picking, il y a moyen de rajouter quelques kilos à ce total. Donc là, déjà, j'ai de la marge sur le 827. Si on va RPE 10, peut-être qu'actuellement, je vaux 842, je ne sais pas. Et ouais, 40, 42. Et avec le picking, s'il y a moyen de rajouter 10-20 kilos sur chaque lift, en me focusant sur la technique, en me focusant sur tracter des charges lourdes, il y a moyen de faire quelque chose de bon. Donc là, maintenant, la mission, ça va être de faire un picking parfait, s'entraîner à 200%, prendre chaque séance au sérieux. C'est comme ça qu'on tirera le meilleur de l'entraînement. En tout cas, on va rien lâcher. Ça va, Mathis? Depuis que j'ai fini mon deadlift, je le vois, il est par terre comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Stanley, il m'a tué là aujourd'hui. J'ai fait une séance de barbare. Comment ça, t'as fait une séance de barbare? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait des séries de fentes à l'infini. Parce qu'en fait, à Uskov, si tu vas pas à l'infini, ben, c'est pas un entraînement. Je crois qu'il est bourré, on va arrêter la séquence. Hello, mon frère. Yes, mon bro, ça dit quoi? Mon gars. Ah, ça va, tranquille. Ouais, on est là. Petite livraison hebdomadaire. Oui, ouais, c'est ça. Livraison de nuit, 23h39. Hein. Désolé, je te dérange tard, gros. Aucun moment, je viens de sortir de l'entraînement. On est toujours là. Je t'ai refait du saumon. Du coup, tu connais. Magnifique. Le saumon que tu m'as fait la semaine dernière, il était incroyable. Mais gros, t'as les mêmes goûts que Noémie en vrai. Ah ouais? Voilà. La vie, c'est lourd de vous préparer ensemble. Vous avez les mêmes goûts. Elle aussi, elle est compliquée niveau légumes. Ouais, de ouf. Ok. Ouais, de ouf. Mais tu connais, elle, c'est caviar d'aubergine. Ah ouais? Tomate provençale d'ailleurs. J'avais jamais vu quelqu'un aussi compliqué que moi. Je t'ai mis. Attends, quoi? C'est quoi ça? Attends. Des tomates provençales. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Tiens, je goûterai et tu me diras. Ok. Frérot, je suis mon pas en regardant, j'ai pas envie de goûter. Mais je vais le faire par principe. Je vais le faire par principe. Mais déjà, tu m'as dit tomate. T'as rajouté provençale. C'est compliqué. Non, moi je suis un blédard, moi. Tu me parles de tomates provençales. J'ai grandi, frérot, j'ai mangé que du riz et des pâtes. Je suis mort, non, tu connais, on a varié un peu. Ok, ok. Du coup, c'est quoi le matin, quoi le soir? Alors, quoi le matin, quoi le soir? T'as tout ce qui est pâtes, c'est le matin, et ouais, tout ce qui est riz le soir. Évidemment, je varie les plats le matin et les plats le soir, parce qu'en fonction du matin ou du soir, il n'y a pas la même quantité de macros, donc... Au niveau des macros, je les donne juste à Tarek et c'est Tarek qui gère, il me trouve les repas, il me trouve les recettes, etc. Donc ça c'est Gucci. Carré. Parce que quand c'est moi qui fais à manger, frérot, il y a le riz, il y a le blanc de poulet, à côté ça fait le shaker pour compléter. Ok les gars, on se retrouve pour un débrief assez rapide sur cette séance SBD. Alors déjà sur le squat, j'ai pas été au top. Donc ce dont j'ai besoin, c'est plus d'exposition à des grosses charges. C'est pour ça qu'on va faire un picking justement. J'ai besoin de plus souvent mettre 2,90+, 300+, même 310+. Et au fur et à mesure, je deviendrai meilleur de 1, techniquement sur ces charges-là. Et de 2, nerveusement, tout simplement parce que je serai plus fort. Je serai mieux préparé à pousser des charges lourdes sur ces mouvements-là. Par rapport à ça, je m'inquiète pas. Et je vais mettre toutes les chances de mon côté afin de pouvoir sortir une belle perf le jour des championnats de France. Maintenant sur le développé couché, il y a deux points que j'aimerais aborder. Le point numéro 1, bah, c'est le même point que sur le squat, plus d'exposition à des charges lourdes. Et le point numéro 2, ça va être vraiment de prendre soin de mes épaules. Parce que quand au fur et à mesure, je rajoute de l'intensité sur mon développé couché, je sens que mes épaules sont vraiment le maillon faible du mouvement. Je vais rajouter pas mal de mouvements d'épaule, faire attention à la santé des épaules, bien chauffer les épaules, intégrer par exemple plus d'élévation que Zero June. J'allais dire peut-être un peu plus de DM, mais le picking, c'est pas la meilleure période pour implémenter ce type d'exercice. Enfin, au niveau du deadlift, je pense que c'est le mouvement où paradoxalement, je suis le mieux. Donc là, j'ai fait 3,22. Je pense que mon potentiel sur cette séance, il était à 3,27 ou à 3,30. L'objectif, là, ça va tout simplement être de faire plus de deadlift, faire plus de volume. Et le picking, il va être là pour ça. Bosser sur des charges lourdes, aller mettre plus de 330 kg et faire des répétitions propres sans trop de grind. Parce que forcément, l'objectif, c'est d'aller tirer plus de 335, 340 kg, histoire d'avoir un total complet et équilibré. J'ai dit des conneries juste avant. Je pensais avoir fait 827 de total sur la séance. J'ai fait 830. Malheureusement, sur le développé couché, la claque est trop nulle. Donc si on retire le développé couché, ça fait 820. Si on compte le développé couché, ça fait 830, ce qui est un beau total, sachant que mon meilleur total en compétition actuellement, il est à 818 kg. Et là,
Bon, je vais pas poser l'objectif de total que je vais chercher parce que la dernière fois que je l'ai fait, ça s'est pas très bien passé. Mais là, je suis bien parti pour très largement battre mon record. Pour terminer cette vidéo, comme je l'avais dit sur Instagram, je vais répondre à 3 questions que j'ai sélectionnées dans un question-réponse. Si vous voulez que je réponde à vos questions, généralement une fois par semaine, je vais mettre un question-réponse sur Instagram et je vais dire si vous posez vos questions ici, bah, je répondrai à vos questions dans la vidéo YouTube. La première question, je vais la choisir au pif, tiens. La première question, c'est comment vis-tu le fait que des gens te reconnaissent aux compètes, etc. C'est une bonne chose, je trouve. Parce que j'ai toujours des bonnes discussions et tout, les gens sont toujours hyper bienveillants, j'essaie de leur rendre. Souvent les gens ils viennent me voir, ils me disent « Ouais j'ai commencé le power grâce à toi, j'ai découvert le power grâce à toi et tout ». Ça me fait grave plaisir, souvent c'est suite aux vidéos que j'ai faites avec Avner ou encore Bazinga. Donc ça me fait toujours plaisir, si jamais vous me croisez une compète et que vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir me parler, on va échanger un peu. Pareil si vous me croisez à la salle, n'hésitez pas à venir me voir, de préférence pas pendant mes lifts, mais pendant un temps de repos entre deux exercices ou à la fin de la séance, ça fait jamais de mal. Mais franchement ça motive de ouf. Parce que je vois qu'il y a des gens que je pousse et tout. Là, quand je suis chez moi, je fais mon truc dans mon coin et tout. Peut-être que toi, derrière la caméra qui regarde cette vidéo, je te motive. Mais je le sais pas. Et pour le savoir, viens me voir quand tu me croises en vrai. Laisse un commentaire sous la vidéo. Comme ça, ça me pousse à apporter encore plus de valeur ajoutée gratuite. Parce que ce qui me plaît avant tout, c'est d'aider les gens, aider les personnes qui vont me demander des conseils, qui débutent dans le sport. Deuxième question, possible en un an de prendre plus de 100 kilos de total? Alors oui, c'est tout à fait possible, mais je pense que si tu débutes, tu ne devrais pas te focus sur le nombre de kilos que tu peux prendre ou que tu vas prendre sur ton total. Tu devrais d'abord te focus sur le processus, donc apprendre à kiffer ton entraînement, trouver un truc qui fonctionne sur toi, le garder et t'entraîner correctement. Parce que quand tu commences à trop penser en chiffres, tu vas progresser, mais tu vas te dire « Ah, peut-être que j'ai pas assez progressé par rapport à X, par rapport à Y. » Là, je pense que tu devrais pas te comparer, tu devrais pas chercher à gagner X kilos sur ton total en X temps. Tu devrais juste faire de ton mieux, t'entraîner sérieusement, aller chercher le maximum de kilos que tu peux gagner sur ton total dans un temps imparti, mais pas nécessairement te caler des objectifs de chiffres alors que tu sais pas du tout quel est ton potentiel sur une période donnée. Mais en tout cas, prendre plus de 100 kilos de total sur un an, c'est tout à fait possible selon moi. Et la dernière question, elle nous vient de Tarek. Te faire courser par 10 autruches ou un guépard? Alors, je te mens pas, j'ai grave réfléchi à cette question quand je l'ai vue. Et je pense que je préfère me faire courser par un guépard. Les autruches, elles courent plus vite que moi. Le guépard, il court plus vite que moi. Mais repousser 10 autruches, c'est juste pas possible en fait. Tandis que repousser un guépard, c'est possible. Si les 10 autruches, elles sont grave énervées contre moi, je pourrais en repousser une ou deux, même si je suis pas sûr. Peut-être en lançant des pierres. Mais repousser 10 autruches, sachant qu'elles vont avoir des tempéraments différents, elles vont être vraiment très agressives, je pense que c'est pas possible. Tandis qu'un guépard, si je me grandis et que je lui lance des trucs et que je me cache, je pense qu'il y a moyen quand même de lui échapper. Je pense qu'il vaut mieux se faire courser par un guépard plutôt que 10 autruches. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si t'es resté jusque là, n'hésite pas à lâcher le mot guépard en commentaire. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu aussi, ça m'aide énormément. Abonnement, tout ça pour le référencement, vous connaissez déjà la chanson. N'hésitez pas à me dire le type de vidéo ou le thème de vidéo que vous aimeriez voir sur cette chaîne dans la section commentaire également. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.